Faites entrer les accusés. Je m'appelle Marius Bataille, je suis né le 12 octobre 1990 à Marseille. Je suis chauffeur routier et j'habite à Lille. Je m'appelle Agathe Caron, je suis née le 30 avril 1992 à Strasbourg. Je suis aide-soignante et j'habite à Lille. Rappelez-nous les faits, messieurs les procureurs. Monsieur Bataille et Madame Caron sont accusés de hold-up à main armée ainsi que de séquestration du directeur de la banque qui n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé. Après une course-poursuite dans une voiture volée, ils ont été arrêtés par la police, mais le directeur ne s'y trouvait plus ainsi que l'argent. Nous réclamons 25 ans de prison ferme. Que plaidez-vous ? Innocent, monsieur le juge. Faites entrer le premier témoin. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Isor Bayer, j'ai 24 ans et je travaille dans une boutique en face de la banque. Qu'avez-vous vu ? J'ai vu le directeur avec les deux accusés et puis il y avait une arme pointée sur le directeur. Et il courait vers une voiture. De quelle couleur était la voiture ? C'était une rouge et de la marque Peugeot. Comment était-il ? Et est-ce qu'il ressemblait bien à ces trois accusés ? Oui, les deux accusés ? Oui, il ressemblait bien aux accusés qui sont là. Donc, nous pouvons dire que les accusés sont bien coupables. Je déclare 25 ans de prison ferme. Avez-vous encore des questions ? Non. Les avocats de la défense. Vous dites que ce sont bien les deux accusés, que les deux accusés sont coupables, mais vous ne vous êtes même pas approchés, vous les avez regardés à peine. Venez, approchez-vous. Oui, je les reconnais, je les ai vus courir, c'était la voiture. Mais vous étiez à un endroit dans votre boutique. Vous étiez à quel endroit à peu près, vers le fond de la boutique? Au début j'étais au fond de la boutique, mais dès que j'ai entendu l'alarme, j'ai regardé ce qui se passait, tout ça. Donc alors j'ai bien vu. Après j'ai essayé de me réfugier un peu, mais j'ai vu au moment où je regardais les accusés. Et après ils sont tout de suite partis. Mais vous avez vu le directeur de la banque qui était en train de se faire un petit peu enlever par les deux accusés.